Bon, outre les cas où certaines personnes voilà, vont décider, ça, on va pas rentrer dans des considérations personnelles, peut-être des fois ça serait de vouloir trop... d'avoir une administration trop... qui veut trop tout prévoir ou mettre en place des outils. Oui, d'avoir une organisation qui freine peut-être des fois un peu la spontanéité et l'écoute de la personne en face. À titre d'exemple, chez nous, on est en train de passer au tout numérique, donc c'est très intéressant, mais l'outil des fois peut aussi bloquer la pratique et nous enfermer à nous, professionnels, dans un système où au final, on est moins sur le terrain, on est moins à l'écoute des personnes parce qu'on doit d'abord répondre à tout un tas de procédures, de protocoles. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, en ce moment, dans notre service, alors je ne suis pas sûre que ça soit très parlant pour la communauté, mais dans notre service, c'est quelque chose qui nous pose un peu question et problème. Voilà, on est en pleine mutation depuis un an. Au niveau informatique, et c'est vrai que c'est quelque chose où on se rend compte que notre métier change.